Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous poser cette question. L'écrit est-il une fermeture ou pas? Une fermeture de quoi déjà? Ben, pour commencer, l'idée c'est une fermeture de notre pensée, c'est-à-dire est-ce que l'écrit, quand j'écris un article, quand j'écris un livre, quand j'écris quelque part, est-ce que je finis ma pensée et est-ce que c'est quelque chose que l'autre perçoit comme définitif? Est-ce que l'autre a l'impression que ma conclusion est finalement ce qu'il doit retenir, ce qu'il doit avoir appris lorsqu'il a lu mon écrit? D'ailleurs, allez-vous au bout de l'article? Ça, c'est une bonne question. Et nous avons appris depuis toujours à structurer notre pensée quand nous l'écrivons. D'ailleurs, nous faisons des brouillons, ou en tout cas, nous relisons ce que nous avons écrit avant de le publier. Et pourquoi en fait cette obsession de la fermeture? Faut-il arriver dans un chemin qui serait logique du début à la fin? Faut-il passer par des bullet points ou en tout cas une structure organisée en points à explorer? Ou bien pourrions-nous simplement nous promener comme si nous étions quelque part dans une forêt à la croisée des chemins et partir à droite, partir à gauche pour arriver nulle part? Alors, mon écriture évoluant au fil du temps et mon expérience des réactions aussi de mes lecteurs me montre que finalement lorsque je n'ai pas de fermeture, je suscite davantage de conversations, de commentaires et aussi de réactions chez l'autre qui se dit mais où est-ce que je suis allé finalement en arrivant nulle part, est-ce que je ne me suis pas trompé de chemin? Donc c'est une façon de voir les choses, je pense moi que nous devons ouvrir les choses, l'esprit, lorsque nous écrivons, et nous devons donc poser question pour créer une ouverture plutôt que de vouloir absolument fermer notre pensée dans l'écrit. Pensez-vous la même chose? Est-ce que vos écrits sont des fermetures ou préfériez-vous finalement que l'on se pose question ou pas?